Pentagone, justement, refusait de manière catégorique pour être capable de permettre US military, militaire, pour être capable d'entrer en activité, construire CAI. En fait, le président Trump a parlé de tente, en fait, bien pour arriver de migrants qui sont en caravane, qui prennent direction pour les États-Unis. Okay? Officiel qui t'a parlé sous condition d'anonymat. D'anonyme, il fait comprendre que le département de défense rejeté demande là, en fait, demande ça, qui t'a une nouvelle mission avec militaire. Pas oublier que militaire est limité dans ce qu'il est capable de faire sous territoire États-Unis. Okay? Donc, son façon pour comprendre qui ça, c'est que contrairement à ça, pile mon attendait, contrairement à ça, le président a dit tout. Côté que la voyée militaire sous frontière là et job militaire yo pas en fait c'est pas job yo pour yo faire face avec migrants et c'est pas job yo pour yo refuser entrer immigrants, c'est ça vous comprenez. Donc yo dit que yo même yo là pour yo faire des activités d'émergence, l'hôpital, donc bail aide dans hélicoptère, donc c'est ça yo dit, hein? En fait, il y a une démarcation, toujours il y a une différence entre ça nous et les law enforcement, la police ou TKR. Toujours il y a une différence qui gagne entre la police et l'armée. C'est deux unités différentes et comprenez bien, c'est la loi qui définit qui ça pour faire. Donc, il y a dit que il y a un monde qui n'a tête Pentagone qu'on est là, c'est pas pour être trop qu'il prend mettre tête dans chaud. Parce qu'il prend dans chaud après. C'est-à-dire que si Trump veut un bagage, il prend un décret, il fait un bagage illégal, peut-être après ça, il va aller à la justice, il signe un papier. Mais pas une personne, monde qui, que ce soit au niveau du département de la défense, que ce soit au niveau du Pentagone, qui pourra le mettre tête dans le chaud, qui pourra le faire des bagages illégaux. Parce que ça, dans les missions, l'armée, il est clairement défini par la loi. OK? Donc, ça fait, Nielsen qui a fait pression, parce que Nielsen lui-même, c'est dans le département de la sécurité lié. Donc, il t'a plus bon pour les États-Unis parce que toutes les ressources qui ont là pas assez suivi, parce que c'est un pile d'immigrants qui vont débarquer sur eux là. Donc, lui-même, il va connaître, lui demander parce que ça, si le joueur n'y est pas, il pourra l'affecter. C'est le monde qui est en chef là. Il dit, le monde qui est au niveau du département de défense, le monde qui est au niveau Pentagone, depuis qu'ils font des bagages illégales, s'il y a un code qui vous prend, c'est vous qui le prendre. Donc, lui-même, tout, lui bail, et puisque c'est pas lui qui est en chef du département de la défense, lui-même, tout, il t'a demandé. Ou que, comme quoi la demande pour prêter l'employé, c'est ça. Mais est-ce que ce soit Matisse, que ce soit l'autre négro, yo même yo pas entré en fait, non, rien qui illégal après ça pour y aller en show. OK? Non, même sans ça, tout, yo te demandé, est-ce que au moins, yo te demandé, en fait, toujours Maison Blanche, yo te fait demande pour que militaire ou ta fait s'entarrer, trafic control, full monde, bagay sa yo, au niveau de border là. Mais Pentagone, même dans tout, lui, refusait de manière catégorique et demande ça à tout. Et en fait, dès qu'on refuse ça, on montre des connexions qui viennent entre Pentagone et Maison Blanche. OK? Donc, bon, disconnections entre Maison Blanche et Pentagone. Mais est-ce que, bon, ensemble de missions, si président voulait, li capable si yon papier laisse la engager tête li justement pour te capable ba yon ordre spécifique pour que c'est comme quoi t'a pas l'armée ou l'autre mission qui est vraiment dangereux parce qu'il pas qu'à faire n'importe bagarre tout à maintes reprises Pentagone refusait demande ça donc pour même pas question pour que militaire fait face à migrants pas question pour qui pour militaire à jouer, à faire job, ça n'a le job de law enforcement. OK? Donc c'est comme ça, bagalaye. Donc si tu en voulais, la obligé de prendre un décret. OK? Pour résoudre, causer ça. En fait, dans le même sens, ça, tout est gagné. En fait, ça n'a le chef adjoint au niveau du département de défense, en parlant de général Joseph Donfond, lundi qui s'est passé là, Monsieur bien dit, il déclare, il prend responsabilité en charge, il fait comprendre, militaires américains,
yo pas impliqué dans aucune mission côté que y a refusé moun entrer dans le pays. En fait, ça a été chargé. En fait, c'est chef adjoint Joseph Dunford qui fait comprendre ça. Il dit que pas aucun militaire cap impliqué dans refuser moun en parlant de immigrants entrer aux États-Unis. Là, on pose la question sur mission que les militaires ça va gagner. Il bien dit, il dit que militaires pas venir face à face, yo pas venir en contact avec migrants pendant que présence yo au niveau frontière là. Il dit pas gagner aucun plan au niveau de l'armée pour que force l'armée ta impliqué dans mission ça, mission qui visait à refuser moun yo entrer aux États-Unis. C'est ça, monsieur fait comprendre dans l'université Duncan, qui est dans North Carolina. Donc, en clair, on répète mot à mot pour, il dit, There is no plan for soldiers to come in contact with immigrants or to reinforce the Department of Homeland Security as they are conducted their missions. OK? C'est pas job yo pour yo renforcer mission Department of Homeland Security. Yo simplement a bio capacité. OK, assister au nombre médical, peut-être et si au besoin bill sanitaire des séries de barbelés, yo permet yo aider au bill de barbelés, ce genre de choses. Donc en pile mon a dit ça ka passer là. Est-ce que kounye la nèg sa ou pi gen plus autorité que président? En fait, fanou dit pour tout le monde, en matière d'autorité, que ça ou les hiérarchies. Yo président pa gen pou le parler en soldat qui souterrain. Président n'a pas dit soldat m'a pas l'autre pour tirer, non? Si le président a besoin de soldats tirer, la pas la général là. Général la même bral passer, soldat à l'autre pour tirer. C'est comme ça. OK? Maintenant, si le président pas d'accord avec le général là, la révoque le général là, remplacé devant l'autre. C'est comme ça. Donc, moun qui souterrain, boss, ce n'est pas président, non? C'est pas président qui a passé l'autre. Il n'y a pas rien pour recevoir l'autre dans le président. Président connaît que s'il pour le besoin parler, la pas la boss qui sous chef li a. Boss qui sous chef li a passé l'ordre. C'est comme ça causé a. Donc, dans le moment où on a parlé là, causé pile militaire, yon pas bien pour rentrer dans affaire, faire face à face avec immigrants. Et suivant évaluation Pentagone, pas gagné yon menace d'envahissement pays a. En fait, Jean en fait en a cléoné li, c'est pas un pays à balanguer, mais vraiment. Jean ou t'as le fait comprendre, c'est des immigrants et qui à chaque période ça, toujours pareil, mais reste que, allez ça, au plus, yon ti Jean plus, mais son bagage qui toujours fait depuis nous trouver dans zone ça, ok? Donc, département, défense dit yon même y a des supports logistiques, yon clair sous ça, c'est des supports logistique y a bail. Donc, vin gen un désaccord entre ça, la présidence, ou ja ou sa di, et ça, nèg souterrain ou abdi. You know, ils ont pour arriver comprendre pour qui ça. Premièrement, c'est pas job yo, et même là, c'est ta job yo. Même département de la sécurité, kanan chotou. Même là, yo pas capable de refuser moun yo. Si moun yo fait demande, yo suppose étant des la loi dit. La loi dit. Mon nom, quelle que soit la condition, quitte li passe par porte d'entrée, quitte li automatiquement sous-sol, la loi dit, ou oblige tandel. Pas gen aucune base légale pour que quelque soit moun dans le département Homeland Security refuse tande moun nom. Principe là, c'est que vous faites une interview avec lui pour est-ce que li gen un credible fear? Est-ce qu'effectivement, menace moun nom dit gen, est-ce qu'il est crédible? Bon processus, ça ou le doux process. Et que on George a décidé. OK? Pas que personne monde qui au-dessus la loi dans le pays. Personne monde. En fait, n'a vive dans un pays de loi. N'importe monde n'importe position qu'yo ka perdre job ou. Oui, sous base que ou pense au chef ou fait un bagage illégal. Donc c'est ça qui est important. Ou même ou supposé qu'on droit avec devoir ou carré n'importe monde la justice parce que monde nan fait un bagage qui illégal. Pas grand-chose lorsqu'il s'agit de la loi. Si ou pas d'accord avec une loi,
Changer. Changer là, gon façon pour ça fait. Gon process. C'est ça. Gon pile débat qui a fait sur cause de l'immigration. Changement, je suppose, est venu à la fois au niveau du Sénat et à la fois au niveau de Chambre des députés, House, qui pourront mettre d'accord pour ta faire des changements. Ce n'est pas le fait que moins ta vle, donc c'est comme ça, baga la supposée fait. Donc, Nabdi, et département de la sécurité, PACA, justement, de manière légale, empêcher Mounio faire demande d'asile. OK? Maintenant, président Trump, s'il voulait, il est capable de prendre yon décret qu'elle dit, il va le prendre, jusqu'à présent que personne ne pas croit qu'elle va le faire ça, il a suivi. Côté qu'elle va le dire, en fait, il fait interview, il dit que il va le prendre décret loi qui permet que si moun nan pas de passer par porte d'entrée, ça veut dire que ça, si son moun qui te passe en bas, fil, whatever, eh bien, pour que moun sa pas gain accès pour lui et jeune demande d'asile. Qui c'est yon bagay à l'encontre de ça, la loi dit. Mais pas ça, la loi dit. Bon, garanti, depuis l'année qui fait li, automatiquement, il y a la justice. D'ailleurs, bon, de groupe minigrand de 12, yon gantan, avant même monsieur agi, yon gantan fait un lawsuit contre monsieur là. Bon, lawsuit qui chita captain, automatiquement l'agi, pour automatiquement pour un juge qui est capable de reverse décision. En fait, président Trump parlait tout dans l'interview qu'il bail, causé, il va le consommer pile, titan, titan, titan. En fait, nous, on en pile. Et il va le consommer bonne tente pour moun sa yo. En fait, suivant la loi Flores, ok, bon condition minimum, si tout petit moun yo, ou pas qu'à mettre dans n'importe condition, sans encore la plus bagarre qui est légale. On essaie de comprendre ce qui a passé là. Département de sécurité, entraîne en logique. Tout le monde n'y pense aux frontières net. Il t'a qu'il met tout, il n'y a pas d'espace. Il y a ou limité. Politique là-bas, j'aime comme ça. Politique, c'est que des gens qui viennent faire demande d'asile, bon processus, ils ont une parole ou qu'à contrôler, ou la guerre en attendant, et puis pour quitter le processus là, marcher, as long as que mon n'a pas représenté une véritable menace, mon n'a pas fonctionné, et puis la ligue rendez-vous de en Georgie, il est toujours pareil. C'est comme ça lié. C'est comme ça lié. Notamment sous l'administration Obama. Maintenant, Kounia, il y a trois personnes, il y a un espace pour eux. Trois personnes. À un certain moment, la Dieu a commencé à utiliser prison fédérale. Pas dire qu'il y a une prison pour immigrants, il y a une prison pour bandits, tout. Qui tombe à l'illégal. C'est comme quand tu prends des personnes qui ont des problèmes au niveau de l'immigration, ou à mettre dans la prison, côté qui ont des séries de gros bandits, gros malfaiteurs, et qui ont habitué tout le monde. It just pas make sense. N'a ta vle, justement, kembe tout moun. Mais nous voulons montrer que ces derniers mois, t'es obligé de commencer à plaquer un peu moun. Parce que yon pa gen espace. C'est ça lié. Yon pa gen, non seulement espace, yon pa gen assez ressources tout. Pas bien que yon budget qui vote. Le budget a voté, donc, li bon limite dans son café. Et notamment, te gon bricou, côté que FEMA, c'est bail département au sécurité un petit cob parlementaire au TPT coquin c'est comme quoi son façon en bas de taper des trois petits cob dans le département vous ben on l'autre qui n'est pas d'accord avec ça ok donc mais j'ai en causé à eux donc mission pour taquer mais tout le monde net dans prison son façon de taper qu'un bureau et dans tout le processus là premièrement pas gagner assez de cob pour faire ça pas gagner assez d'espace et deuxièmement les gens qui sont illégal tout ou pas qu'à qu'un bureau de manière indéfinie. Donc, son administration qui a fait face à plusieurs, disons, plusieurs obstacles au niveau de loi par rapport à l'action qu'elle dit qu'elle va le faire. Et le président Trump a annoncé depuis semaine ça, qu'il va le faire prendre justement décret de loi. Peut-être un peu de monde dit c'est à la veille des élections, ces paroles-là. Mais est-ce que le président Trump, en fait, nous tous connaissons, il a des comportements. Justement émotionnel que le monde parle. On a suivi est-ce qu'effectivement ça va faire. Est-ce qu'effectivement la partie logique pour lui prendre une décision illégale lorsqu'elle connaît que rapidement on juge capable de reverse décision. On a prêt de suivre. Mais là, on a parlé de caravane, on dit bien caravane à la pointe, c'est à pied, c'est des milliers de kilomètres, on a marché à pied. OK? Donc, normalement, à partir de demain, il y a dans la ville Mexique. Et mercredi, on fait comprendre le canal Tijuana. Donc, c'est des milliers de kilomètres, on a choisi marcher. En groupe, donc la pointe encore
avant pour arriver sous frontière là. Mais en attendant, sous frontière là, il y a Paris Tanyo, gagne effectivement présentement. Il y a un millier de troupes militaires qui savent faire fonction. C'est peut-être construire des barbelés, commander des supports logistiques. Okay? Mais il y a clair sur ça eux-mêmes. Pas avant que le président a décidé de signer un papier pour le remettre Pentagone. En fait, qui ça va payer cette balle? Son papier qui va redéfinir mission militaire. Oui, est-ce qu'elle a fait? En fait, le président a toujours pris un décret. Mais dans le monde, il va questionner l'égalité des décrets parce qu'on est limité. Est-ce qu'on président va redéfinir mission de l'armée? Une raison qui t'a fait, qui t'a permis l'armée d'entrer dans le cas ça, c'est si effectivement, il t'a dit, eh bien, migrants, ça, c'est des soldats. C'est des gens qui viennent à l'examen, qui viennent tirer, ils ont menace de guerre. C'est à ça. Maintenant, est-ce qu'on a peine situation, hein, qui c'est des gens qui chargent à l'examen, qui attaquent les USA, ok? C'est à ce moment de la durée où tu es capable de demander une intervention face à face de l'armée. Ok? Mais maintenant, Jean Kosea est là, il faut dire que l'administration Trump, lui, entre l'enclume et le marteau, lui parlait, il a en pile parole, mais la parole aux actes, c'est des bagailles différentes. Ok? Maintenant, il dit bien, plusieurs fois dans les autorités, non, mon ça va pas venir, va pas venir, va pas venir. Ok? Certes. Mais gros processus, vous supposez faire ça, la loi dit. Okay? C'est comme ça, bah, là, et là. Mais entre-temps, on dit que immigrants et aux caravanes, moun nan caravane, yo, plus que jamais, ils sont déterminés. Et en fait, ils ont passé sous de l'eau, ils font un pile temps, ils ont dormi dans la rue. Donc, moun yo a marché ensemble. Vle pas vle, yo même yo dit qu'il a venu. Faut comprendre la réalité, c'est que, nouvelle rapportée, de jour en jour, condition mon Amérique latine vini toujours plus mal. Condition la vie, que ce soit au niveau de l'en parler de condition, li entrer au niveau de bien-être, travail, manger, mais au niveau de sécurité, tout, pas de sécurité. Donc, c'est un ensemble de variables qui fait que condition mon a détérioré, qui fait que chaque jour plus, gagne plus qui prend valise, qui dit yo même, yo jeté, yo, j'en le passé. Donc, c'est une situation pour que l'administration tâche de comprendre bien. Vous dites qui ça me fait pour moi, au moins diminuer Floa. En fait, c'est ça peut-être Nielsen t'a fait Trump connaître lorsque Trump t'a décidé de dire ma petite pièce, ma petite pièce. Nielsen te dit, bon, en fait, d'après logique, parle, quand petite pièce, c'est des séries de bagages négatives, là, bien, puis plus sur mon Amérique latine. C'est des séries de mon cap, mon cap, bon, leur coupé, au coup, y a même qui qu'on a beau petit cop dans le pays, mais c'est plus misère, mais plus mon, pour parler sous bordel, la cap, demander, asile. Donc, c'est ça. L'administration, mais tout ce qu'on fait, il retourne contre tout. Il y a même toujours décidé, il dit, bon, l'administration de plan, on a diminué dans l'aide internationale. Il a diminué dans les COP qui ont été habitués à bail, Mounsaïo. Sous prétexte que, il a dit, bon, vous comprenez, c'est America first, bagaille. Mais diriger, ce n'est pas comme ça. Diriger, demander que vous avez tête. Diriger, demander que vous êtes capable de faire des prévisions. Diriger, demander pour pas émotionnel. OK? Dirigez demandé pour travailler avec les données, data, données. C'est ça, lui. OK? Donc, causer, éliminer pile TPS, ça, c'est plus problème à la tête ou par rapport à pile Amérique centrale. Et après, tourner encore. Parce que je ne dis pas, nous, pas, monde n'est pas en vase clos. Ou pas en vase clos, ou pas qu'à complètement ignorer en voisinage. Ou pas qu'à ignorer les gens qui avoisinent, côté que vous vivez là. Donc, c'est ça. Donc, réalité, lorsque les États-Unis décident de faire des investissements dans certains pays, c'est pour protéger tête et tout. Donc, c'est ça que Trump, avec l'équipe, supposé comprendre, puisque eux-mêmes, ils viennent avec mon idée, bon, nous-mêmes, nous n'avons plus le COP, Trump, comme avec mon extérieur, depuis les remontées, ils ont réduit de manière drastique, justement, ils ont réduit de manière drastique l'aide internationale. Okay? C'est même gens qui ont causé un cap fait là avec Corée du Nord. Tout le monde est dans la logique. Est-ce que Corée du Nord pensait pral fin déni clause tête inerte sous pas font tirer d'une sanction? En fait, il y a des séries de bagages ici. Qui m'a dit ça? Il faut être logique. Toute sanction toujours été. Par exemple, il y a un branding, par exemple, et pour atteindre par exemple déni clause la sanction complète. En fait, Corée du Nord fait qu'on a semaine lui-même, il va commencer à faire essai nucléaire. Ce n'est si pas grand fait. Pas dire que. Dans la semaine qui va passer, il y a une prévision pour gagner de nouveau pour parler. Le Corée du Nord, clair sur ça, il dit lui-même, il a commencé à relancer les bagages nucléaires. Si il n'y a pas réduit de trois fonctions, c'est ça que les négociations.
OK? Faut essayer pragmatique. Donc, toute sanction arrêtée, ou pas retirer une même, ou pas faire un petit allègement même. Et pour attendre qui ça? Ça veut dire qui ça? Qui attend là? Ils attendent que pour que Kim Jong-un dénucléarisation complète, après ça, on va retirer sanction. Non, bah, il va marcher comme ça. OK? Donc, nous devons tout passer pour Kim Jong-un. Donc, nous devons porter un update pour, surtout, c'est pour causer caravane, non, pour comprendre justement différence qui gagne entre l'administration Trump avec le département de la défense, Pentagone, qui eux-mêmes, ils sont là pour yo exécuter ça, la loi dit. Et si le président le font bagarre, il signe un papier, il a engagé tête lui, que c'est lui qui signe, okay? Et que c'est avec lui qui va le correspondre. Donc c'est comme ça causé à eux, nous devons voter un update pour. Donc, rebranchez, connectez, inscrivez-vous sur la chaîne là pour nous capables de toute information. Portez-nous bien.